Kiko tout le monde, Kimoman ici, c'est lundi matin, dur dur, les vacances, la semaine de vacances est terminée, yes! Ah, du calme, de paix, beaucoup de ménage. Ah, avec mon gros café, hein? Bah, je vais en boire déjà un peu. Allez, hop. Bon, deux trois petits trucs. Oui, il va voir une vidéo de Neverwinter, vous inquiétez pas de stress, hein, je suis en train de tout arranger là pour le moment. Deuxième chose, Destiny 2 sur PC est gratuit jusqu'au 18 novembre, assez cool. Moi je l'ai pris, je suis quand même littéralement choquée que mon PC a réussi à le faire tourner, hein. C'est pas une blague en plus, c'est pas du tout un PC gamer et ça tourne à une merveille. Mouah. Hein? Alors, je vais essayer de faire une vidéo de moi en train de jouer à Destiny 2 sur PC avec le clavier et la souris. Ok, j'avoue, hein, j'avoue. Utiliser ma manette. Mais de temps en temps, je prends avec le souris, je prends avec la clavier, tout ça, juste pour me rappeler, c'était quoi il y a 10 ans, quoi. Et j'ai oublié quand même, hein. Wow, c'est surtout les touches, quoi. Ouf. J'oublie chaque fois que quand je vois un ennemi, arrête de foncer dedans de temps en temps, fais S pour reculer, voilà, ok. Autre chose aussi, je vais quand même le dire sur Neverwinter, sur la vidéo, j'ai une chance de nul. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo de Neverwinter, pourquoi mon taux de loot sur Neverwinter se trouve à 0,01%. Et aussi un autre truc sur Neverwinter, et c'est pas la première fois qu'on m'en parle et c'est pas la première fois que je le vois. Est-ce que Neverwinter serait pas en train de nous voler des diamants? Petite question, est-ce que vous avez aussi eu cette impression ou eu cette expérience ou vu quelque chose là-dessus, ou que vous avez autant de diamants et quand vous reconnectez le lendemain, boum, vous avez rien acheté, rien vendu, quoi, qu'est-ce qu'on, rien touché. Et bon, il y a quelques diamants qui ont disparu. Moi, personnellement, j'ai des diamants qui se raffinent automatiquement, sans que je demande, entre 2000 et 4000, que mes diamants disparaissent. J'ai eu un doute une fois, hein, et j'avais autant de diamants pour quelque chose, et j'ai eu un doute quelque part. Et apparemment, ce n'est plus un doute. Parce qu'on est plusieurs à l'avoir vécu. Alors, est-ce que Neverwinter ne sera pas en train de voler nos diamants? Va savoir. Hein? Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui gardent un œil, vraiment un œil d'aigle sur vos diamants. Hein? Bon, en fait, on le fait tous. Mais dites-le-moi dans les commentaires si vous... Oh, j'ai perdu un peu ma voix. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez eu cette expérience ou quelque chose, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de bizarre avec vos diamants, sachant que vous n'avez rien acheté, que vous n'avez rien vendu. La raison pourquoi je dis vendu, parce que quand tu n'es pas VIP, tu es taxé pour ta vente. Déjà que quand tu es VIP et tu vends quelque chose, tu es taxé dessus. Je savais... Oh, non, Neverwinter, c'est le gouvernement belge. Voilà. Oh oui, je suis un peu chutée aussi avec des médicaments, parce que je suis sacrément malade aussi. On l'entend de temps en temps avec la voix, et on le... Mais bizarrement, j'ai pas une si mauvaise tête que ça, je trouve. Non, je rigole. Ouais, faut... j'ai complètement chuté. Yay, bam, bam, bam. Voilà, c'est tout pour le moment. Comme je dis, là, je vais commencer à faire ma vidéo Neverwinter. Oui, il va y avoir une vidéo de Fallout bêta, sur la bêta de Fallout 76, avec des bonnes choses et des mauvaises choses. J'ai fait des lives, alors ça va être ma voix au-dessus de la vidéo. Ce que j'en pense, surtout ce que j'en pense. Et c'est surtout ça. Et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu et joué. Je suis un grand fan de Fallout. Et avant, quand je jouais sur PC, c'était Fallout PC, quoi. 1 et 2, hein. Alors,
hein, avant que Bethesda prenne les rênes du truc, quoi. Alors, aïe. Mais bon, il y a des bonnes choses aussi, hein, ça là-dessus, mais ça va venir, ça va prendre un peu plus longtemps, vis au montage, pour la tout simple raison, c'est qu'au lieu de faire un trait, j'ai fait 3, 4 vidéos même séparément. Alors, je dois essayer de trouver où ils sont. Ok. Comme j'ai dit, bon, pour une fois, je fais ma pub. Hein. Allez, les gars. Hein. Hein. Oh. Allez sur Mixer, Kim Woman. Soutenez-moi un peu. Hein. J'essaye de faire des lives le soir maintenant. Vu que j'arrive pas à faire des lives YouTube avec des jeux, parce que mon connexion Internet, ça vaut pas la peine. Ça veut dire Proximus. Le pire, c'est que c'est même pas mon PC en plus. J'ai toujours pensé que c'était mon PC, mais en réalité, même pas, parce que mon PC a réussi à jouer Destiny 2. Et sans lag, hein. 60 frames machin brûle-là. 60, ça n'a même pas descendu, quoi. Je suis resté à 60, quoi. Et pour moi, 60, c'est bon, hein. Vous, les 120, c'est bon. Ok? Et oh, ah. J'ai pas un i3, hein, moi. Hein. J'ai. Je vais pas le dire, parce que je vais avoir honte. Mais je suis quand même contente, hein. Mais non, dites-moi dans les commentaires pour Neverwinter, dites-moi aussi pour Mixers. Je fais des tout et des rien en plus. Ouh, ça c'était horrible. Allez, sur ce, bisous, bisous.